Grande tournée européenne avec le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur 2 mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Crasso prie tous les comités d'organisation de chaque pays cité de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00 337 80 860 057, 00 337 62 402 484. Que Dieu vous bénisse. Les conditions pour avoir la protection de Dieu. Amen. Les conditions pour avoir Deutéronome chapitre 28. On va pas trop durer. Mais il faut que je fasse sortir beaucoup de choses. Ça va t'aider, ça va m'aider. Alléluia. Amen. Deutéronome 22, 28. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au 7. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Très bien, on dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. En observant et en mettant en pratique. En observant et en mettant en pratique. Parce qu'il y a observer et puis mettre en pratique. Amen. Que je reviens là-dessus. Que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je peux acclamer le Seigneur. En anglais. If you only obey the Lord your God by diligently observing all these commandments that I'm commanding you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. All these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Blessed shall be the fruit of your womb, the fruit of your ground, and the fruit of your livestock, both the increase of your cattle and the issues of your flock. Blessed shall be your baskets and your kneading bowl. Blessed shall be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord will cause your enemies will rise against you to be defeated before you. They shall come out against you one way, and before you 7 ways. Alléluia. Regardez la parole de l'Éternel. Dans Deutéronome, il s'agissait là de entrer à Canaan. This was how to enter Canaan. Vous savez, non, le salut ne dépend pas de toi, c'est la grâce que Dieu t'a faite d'accepter Jésus-Christ. C'est la grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres. Amen. Que personne, on n'achète pas le salut. Amen. Donc le fait que tu sois déjà chrétien, c'est une grâce de Dieu. It's a grace of God. Le fait de croire que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, c'est une grâce. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Celui qui nous a appelés, c'est Dieu qui t'a appelé. Always God has called you. Amen. Ok.
Maintenant, pour rentrer dans la grâce, il y a certaines choses que tu dois suivre. You need to follow. Ici, la délivrance du peuple d'Israël. Dieu délivre le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. From the Egyptian hands, la traversée de la mer rouge. The crossing of the Red Sea, ils ont fait le désert. They crossed the desert. Vous comprenez? Maintenant, Dieu n'est à ne pas au peuple d'Israël. Il dit, c'est vrai que je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Je vous ai donné le salut. Vous devez maintenant entrer en Canaan. Mais regardez, pour que chacun d'entre vous soit béni, la seule condition, c'est l'obéissance à ma parole. Amen. Si tu veux être béni, c'est d'obéir la parole de Dieu. It's to obey God's si à quelqu'un, c'est d'obéir la parole de Dieu. Neighbor, it's to obey God's word. Alléluia. Amen. C'est tellement simple. Il dit si obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique and then by resolving, tout ce que je te dis aujourd'hui, everything that I'm saying today, l'Éternel ton Dieu te bénira, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Il te rendra supérieur. Above all the nations of earth. Amen. Pourquoi toujours tu es toujours derrière? Why are you always on the queue? Dans les décisions, dans l'entreprise, c'est toujours toi qui es dernier. Always back. On doit faire quelque chose, c'est toujours toi qui es dernier. Always. Et si tu obéis à ma voix, je te donnerai la supériorité. My word, I will give you. Tu viens avec l'élévation? Elevation. Il faut obéir à la voix de Dieu. You need to obey God's words. C'est la condition. It is the condition pour entrer dans la gloire. To enter God's glory. Et c'est la chose la plus difficile d'ailleurs. This is what the most difficult thing. Obéir à la voix de Dieu. Obeying God's word. C'est parce qu'on veut obéir à la voix de it's Dieu. Because we like to obey God's word. Que nous sommes à Divo ici. That we are in New here. Avant d'être à Divo, before j'avais un ministère déjà aux deux plateaux. À la Palmas. That's Palmas. Je fréquentais le ministère, la plus grande des artistes. Gagi Seli, les grands artistes me fréquentaient déjà. Des gens puissants me fréquentaient dans le ministère. Déjà. J'étais déjà connu. Quand j'ai laissé pour aller séjourner à Zaroko. Ceux qui devaient me laisser sont partis. Et j'ai commencé le ministère. Il n'y avait pas d'eau potable à Zaroko. C'était eau de Maroko. On s'est lavé ça. C'est ici comment j'ai dit oui. Bon, je m'en vais chercher ma chaussure, j'ai laissé à Abidjan. Il est parti. Chez nous, on dit la Bori. La Bori, la Borina, la Borina. La Borina, la Bori. Il est parti. C'est toi, je suis la Palo. Hein? Mais c'est ça l'obéissance. C'est pas une chose facile. Dieu, quand il te parle, il faut obéir. Combien de fois Dieu te dit, faut soutenir l'œuvre, tu as touché ton cœur. Combien de fois Dieu te dit, paye la maison tous les fins du mois de ce centre. Là, tu fermes ton cœur. Mais comment il va t'obéir? Comment il va t'obéir? Il faut aider les veuves et les orphelins. Sauf cela que j'ai construit l'orphelinat. Parce que Dieu m'a parlé. Si je ne fais pas, je ne suis pas béni. Parce que la bénédiction, l'obéissance va y avoir de ma bénédiction. J'ai l'argent. J'ai pas ma X5, une voiture. Pour commencer une activité. Je peux avancer 3 millions, 4 millions pour acheter ma maison. Mais Dieu me dit, commence là. C'est ce qu'il a fait. Pourquoi ça vous surprend si le prophète Krasso, la l'ONU, si on le coûte là, si telle personne le coûte là. J'étais à l'Union africaine quand la plus grande femme qui dirige tous les ONG pour la protection de l'enfant dans le monde m'a dit, Madame Kader, me dit, toi, il faut que je t'aide. Elle m'a dit spécialement dans son bureau à l'ONU, son mari qui signe tous les décrets de paix dans le monde, ça choisit un mot. Je suis étonné. Et puis tu me rappelles, tu dis, c'est parce que tu obéis à ce que j'ai dit que je t'élève. Si tu obéis, tu obéis. Il y a des sacrifices que je fais. I made some sacrifices. Il n'y a pas de sacrifices sans l'obéissance. Vous savez, l'obéissance, il y a toujours un sacrifice. Quand Abraham allait tuer Isaac,
il ne le faisait pas, mais il était en train d'obéir à la voix de Dieu. Ce n'était pas une chose facile de sacrifier Isaac. Ce n'était pas facile. It was not easy. Quand il a obéi à la voix, Dieu a élevé le nom d'Abraham et sur tous sa descendants. Il dit à partir d'aujourd'hui, ça cause de ce sacrifice que le peuple d'Israël est béni. Toi, tu veux que Dieu t'élève, mais tu as fait quelle obéissance? Quel est le sacrifice que tu as fait pour marquer Dieu? Rien. Jésus a dit, si la coupe pouvait se manger de moi, mais non pas à moi ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Jésus obéit à la voix de son Père, à point de donner sa vie. Vous avez peur de risquer votre vie. Oh, Dieu vous a parlé. Souvent Dieu vous dit, donne une voiture au prophète. But God said for him to give a car to the prophet. He was astonished. Moi j'ai vendu voiture, il fallait qu'on soit fini là. Moi j'aime bien les voitures de luxe, c'est pas un péché. It's not a sin to have nice cars. C'est pas un péché. Aimer bonnes choses c'est péché. Aïe, aimer bonnes choses c'est péché. Moi je suis là tout, je check. Il dit, Seigneur, je veux cette voiture. Il faut que j'ai ça. C'est pas un péché. C'est ici, il y a voiture au ciel. Il n'y a pas de voiture. On s'est entendu, assemblée où? Là, même on ne pas chanter ça. On va gloire à Dieu, assemblée où? On va te chasser. On va te lever, c'est quoi ici? On n'est pas payé pour dire assemblée où? Ouais, c'est... Amen. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit avoir sur la terre. Ça nous appartient sur notre bénédiction. Amen. Mais le sacrifice, l'obéissance, il y a le sacrifice dedans. Ce n'est pas facile d'obéir à Dieu. It's not easy to obey. Si on vous demande comment on vous dit ce qu'on a fait, mais c'est difficile. It's really easy. Nos voitures datent. On se lève, on vient tard, une heure, on mange. Tu vas pas manger une heure matin. Démon t'a chassé des sorcelleries toute la journée de 9h jusqu'à 22h, 23h. Quand tu rentres là, c'est cuisine, tu t'accueilles. L'obéissance. Dieu m'a dit, tu es là. Mais ce n'était pas facile. Dieu te parle, mais tu as déchiré ton cœur. Il y a des gens de Dieu m'ont dit, je t'appelle au ministère, dis-moi. Ah non, 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 Seigneur, si c'est ministère là, c'est bon. Hein? Tu ne vois pas comme le prophète, on l'insulte, on le fait ça, il souffre. Mais dans la souffrance, il y a l'élévation. Jésus a connu la souffrance, la croix, l'élévation. La croix et l'élévation. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'élévation. La croix veut dire souffrance. L'obéissance est un sacrifice. It's sacrifice. Amen. Je suis prêt à me dépouiller pour la cause de Dieu. Mais je ne vis plus pour moi, je vis pour lui. I'm not living for me, but I'm living for je vis pour lui. Living for me. C'est ça que Dieu regarde et me bénit. That's why God is blessing me. C'est pas mes enfants qui sont là-bas. Not my mais c'est des millions, c'est pas pour se faire plaisir. Mais j'obéis à la voix de Dieu pour dire, fais ça. Fais ça. Do this. Et puis Dieu me bénit. And this what I'm doing. That's why si tu obéis à la voix de Dieu, if you obey God's word, il va toujours te lever. Il va toujours te lever. Il va toujours des grâces. Always. Pour mettre ton argent là-bas. Your money. Back. Tu n'as pas l'argent. You don't have money. C'est là-bas l'argent. Comme Kanimba. Amen. Amen. Tu as dit non, Seigneur. Parce que quand il te bat, tu n'écoutes pas. Because when he's talking to you, quand il te bat, tu n'écoutes pas. You don't listen to him when he's talking. Il y a des gens, leur argent. Hein? Tu peux tout, mais leur argent. Tu ne peux pas toucher à ça. Or, moi, je n'ai pas de problème à l'argent. Le jour où tu n'aurais plus de problème à l'argent, Dieu va te bénir. Moi, je n'ai pas de problème. Je peux descendre d'une voiture, vider ma poche, puis je m'en vais. Oh, les témoignages, il y en a tellement. Il y en a tellement. Comment Dieu me bénit quand je dépouille, quand je donne. Comment Dieu me bénit. Amen. Quand vous obéissez à la voix de Dieu, il est dans l'obligation de vous bénir. Amen. Amen. Quand on parle d'obéissance, les gens pensent que non, j'ai cherché femme des gens, mari des gens. Non, c'est ce qu'il t'a dit là. Si tu n'obéis pas à ça, c'est un péché. Il y a des gens à faire d'argent.
Donne-nous, Seigneur. Giving to the Lord. Mais quoi? Et quoi? Où dit ça? Mais tu seras toujours pauvre. Amen. Moi, je n'ai pas dans l'esprit de pauvre. Like je mange avec un esprit de grandeur. Je n'ai pas l'esprit de pauvreté. Je n'en dis personne. Mais dis à moi l'expérience de la gloire. Je n'en dis personne. Mais je ne suis pas pauvre. I'm not poor. Donc je n'ai pas peur. C'est qui là, ce qui appartient. Le jour où il a besoin de ça, je lui donne. But then you live. Je lui donne pas lui. Ah, tu sais comment l'argent vient dans la poche. Tu sais comment? C'est ça qu'Abraham dit. Seigneur, lui là, seul là. Petit Isaac là, petit là. Seigneur, lui seul. Il dit si il dit à la vieille femme là. Ah! Si il dit à vieille Sarah là, la vieille là. Si il dit au petit aussi, il va pourrir la nuit. Seigneur, c'est toi qui as donné. Ça t'appartient. It belongs to you. Si tu arrives à là, tu seras béni. Amen. Si, parce que la Bible dit si un grain de blé ne tombe dans la terre et ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Il faut que la chair, les choses du monde meurent en vous. Et que vous ne considérez pas ça. Et que vous voyez ça comme pour Dieu. Sorry, no anymore. Amen. C'est comme ça que je suis devenu. Je ne vois pas maintenant m'attacher à quelque chose. I cannot be attracted to. Je peux acheter quelque chose de très cher. Et puis Dieu me dit, donne à lui, donne à ce monsieur. Je lui donne. Give it to that. Puis d'ailleurs, je ne donne jamais quelque chose qui est moins cher à quelqu'un. Moi, je ne fais pas ça. Le jour où je te donne quelque chose, c'est que c'est cher. Ça m'a coûté quelque chose. It's very expensive for me. Si tu obéis à la voix de If Dieu, il va te bénir. Si tu n'as pas encore béni. C'est que toi, tu n'es pas prêt à recevoir cette bénédiction. Si tu es la question, je prends une bête cannibale. Juste pour te dire. Prends un cannibale même. Mets là-bas. Amen. Tu veux être supérieur, frère, peu importe ton âge. Mais lorsque tu commenceras à obéir à la voix de Dieu, Dieu va te démarquer de tes parents. Et puis les gens commencent à dire, ah, on considère que lui, il est le plus riche chez nous. Hein. C'est pas du tout. Mais naturellement, c'est Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait souffrir aucun chagrin. Si tu avais Dieu, tu n'es pas béni. Il faut revoir ta position. Mais tu seras béni où? Tu seras béni où? Ah, mais c'est clair. Donc la seule condition, c'est l'obéir. Dieu te parle, ça te dit rien. Fais telle chose à mon œuvre. Fais telle chose à accepter de Dieu. Fais telle chose à un veuve. Fais telle chose à un orphelin. Fais telle chose à toi. Ça ne te dit rien. Tu es sensible à ça. Il faut que toi, on te donne son bas. Si tu obéis à la voix de Dieu, il y a une protection de Dieu. L'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. Combien sont ceux qui lisent la Bible? Il y en a combien? Tu fais des moyens pour tout la nuit. Sommet des sandales troc. Stopping light. Tu rentres seulement tout le quartier. Je pense que c'est un concert jazz dans la chambre. On dit que c'est un concert. Tous les sons, la guitare, la basse, la batterie. Il y a des gens, mais quand ils commencent à dormir, tu as dit, mais c'est quel concert? Ça a combien? Le guichet pour l'antenne. Je vais aller écouter le conseil. Ben, il y a tous les sons. Tous les guichets. Où est d'autres mes étels montés? Tu vois. On devait posséder. Les gens leur offrent un peu peur. Mais qui c'est là? Il manque quand on donne deux mêmes. C'est renfermant qui est comme ça. On ne lit pas la Bible. On ne prie pas la nuit avant de dormir. On ne prie pas matin. Attendez, toi tu te lèves du lit. When you wake up. Tu ne pries pas.
Tu appelles, tu oublies. Tu es dans la oh, j'ai oublié de prier, Seigneur. Merci, tu m'as réveillé. Puis tu te brosses. Ça veut dire d'autres choses te préoccupent. Tu ne confies même pas ta genou au Seigneur. Ta couchette, même, tu ne la confies pas au Seigneur. Mais comment tu veux que Dieu te protège? Je ne sais pas pourquoi les sorciers m'attaquent. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi les sorciers t'attaquent. Attends. Pas comme Dieu pour un bête. Tout dépend de toi. Everything depends on you. Il t'a sauvé. Il faut que toi, en retour, tu sois obéi. Return. Ta part, c'est d'obéir au Seigneur. Obey. Si tu ne payes pas au Seigneur, if you don't obey, you don't. Lui se retirera de toi. C'est une alliance avec Israël. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Amen. Rien dit le contraire. Le verset 15. Verse 17. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Écoutez le verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, ton travail, tes affaires, ton business, ils vont envoyer des trous. Ça va menacer ton business. Ça va faire les chutes de ton travail. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu payes. C'est-à-dire que Dieu va cautionner l'action de la sorcellerie. Il va regarder le sorcier faire. Il va regarder le sorcier faire. Vous faites vos affaires. Depuis quand vous prenez votre argent. Ne faites, non, attends le micro, je vais commenter. Depuis quand votre argent contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous faites des affaires. Depuis quand tu as une fois pris une voiture pour donner un homme de Dieu. Depuis quand tu as une fois pris un argent pour donner, pour dire que les sorciers gardent mon argent. Dieu là, est-ce que ton argent là, ça tu prends ça pour servir Dieu. À cause de la méchanceté, s'il te plaît. Est-ce que ton argent là, ça contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Le jour, Dieu saura que l'argent que tu as là, tu prends ça pour le servir, il va protéger ton argent. Amen. Dieu n'est pas un homme qui est ingrat. D'abord, il n'est pas un homme. Et puis, il n'est pas ingrat. Vous faites de gros business. Mais depuis quand votre business, des affaires là, vous investissez dans l'œuvre de Dieu? Depuis quand? Il dit qu'il envoyera le trou pour menacer toutes tes affaires. Jusqu'à ce que tu périsses, il va regarder les sorciers te détruire. Frère, il ne faut pas avoir affaire à Dieu. Dis à quelqu'un, il ne faut pas avoir affaire à Dieu. Moi, chaque semaine, j'ai une offrande. J'ai une action à mener dans la vie d'un pauvre. C'est comme ça que je suis. Quand vous investissez dans l'œuvre et dans la vie de ceux qui ont des problèmes, Dieu se souvient de vous. Comme je n'aime pas la pauvreté, je m'investis dans la vie de celui qui est pauvre pour que Dieu me bénisse et m'éloigne de tout ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton argent sert à quoi? Allez boire Koutoukou, c'est ça? Ça fait autre chose. What is it for? Est-ce que ton argent une fois servi Dieu? That's your money or one day served God. Tu as fait quoi pour Dieu? Toi-même. Depuis God? Dieu t'a sauvé là. Il t'a protégé là. Tu as une fois fait quoi pour Dieu? Depuis tu te plains. Dieu ne protège pas. Mais attends, toi, tu as une fois fait quoi pour lui? Tu as fait quoi pour lui? What have you ever done for? Quel est le prix que tu as payé? Sauf cela que Ézéchias, quand il avait les problèmes, il dit, mais attends, souviens-toi de moi. C'est moi, Ézéchias. Voici ce qu'il a fait pour toi. Toi, tu peux nous témoigner à tout ce qu'il t'a fait pour lui. Moi, je peux me lever devant toi pour dire, Seigneur, moi, j'ai construit un orphelinat. Voici ce qu'il a fait pour toi. Voici ce qu'il a fait pour les gens en difficulté.
Toi, quel est le témoignage contre Ézéchias? Ézéchias et Esaïe lui dit, tu vas mourir, ainsi par l'Éternel. Il dit quoi? Moi j'ai fait les choses pour Dieu. C'est quoi même récompenser? Il a tourné les regards vers Dieu, puis il a parlé ce qu'on appelle le dialogue direct. Il a parlé avec Dieu. Il dit, voici ce qu'il a fait pour toi. Et puis on dit, Dieu se souvenait de ses actions. Est-ce que toi, Dieu, peux se souvenir de tes actions? Vous vous plaignez parce que ton entreprise est tombée. Les choses ne vont pas. Mais tu as fait quoi? Quoi? Pour lui. Quoi? Maïka passe en moi. Un poisson. Poulet, frites. Tu penses à quoi seulement? Je ne vais pas penser à l'œuvre de Dieu. Don't even think about God. Et Dieu lui-même, il va envoyer ou menacer. Jusqu'à ce que tu périsses. C'est-à-dire, il va regarder les sorciers te détruire. The sorcerer has destroyed your life. Il est là, il assiste. Il dit rien, ça lui dit rien. Hey, mais lui, il fait quoi? Il a fait quoi pour moi? Vous pensez que c'est vous seulement, c'est Dieu seulement qui doit faire, vous n'avez pas votre part. Les anges ne viendront pas sur la terre pour agir. C'est vous que Dieu doit l'utiliser pour son œuvre. Si toi tu restes insensible à l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui ont payé les chaises que vous voyez là. Shalom à toi, Jamassé. C'est un monsieur, on l'avait renvoyé. On l'a renvoyé. Il n'avait plus d'emploi. Il est venu ici, il a quitté Londres. Puis il est venu ici. Parce que son projet était sorcellerie. Et qu'on a prié pour lui. Dès qu'il est parti, ils l'ont pris à Microsoft. Ils l'ont pris dans deux boîtes informatiques. Celui qui envoie l'argent pour qu'on achète les chaises. Sinon, c'était en plastique. Les VIP là, celui qui envoie, il envoie l'argent pour qu'on mette des tapis ici. Amen. Dieu vous bénit quelque part et ça vous dit à peine vous ne vous souvenez pas de l'œuvre de Dieu. You don't remember. Le jour où tu vas commencer à t'investir dans l'œuvre de Dieu, tu vas voir. Investing in God action. Moi, je n'ai jamais eu l'esprit de Yeshua prophète. Ça, moi, on doit donner seulement. Je ne donne pas aux gens. Non, je donne pour recevoir. Je donne pour recevoir. Si vous donnez, vous allez recevoir. Amen. Dieu, il voit quoi? Il n'arrive, il voit rien. Donc, la condition pour que Dieu te protège, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose de difficile. Dieu te dit, fais ça. Puis tu vois que, ah, c'est ma seule voiture. Il y a fait quoi, ça, c'est ma voiture. Dieu lui donne. Moi, j'ai fait des sacrifices, moi. Pour s'investir dans l'orphelinat. C'est des sacrifices qu'on fait. Il y a des gens qui ont promis nous aider. Après, moi, ils ont coupé. Hein. Ils n'avaient pas de l'aide. C'est de l'argent qu'on envoie tous les fins du mois payer le personnel là-bas. Ah oui, c'est de l'argent, c'est nous, ça sort de nos poches. Heureusement qu'il y a des personnes à côté qui nous aident. Ça, merci. Les gens n'aimeraient pas qu'on dise leur nom, mais vous connaissez, merci. Mais la plupart du temps, tout ces choses-là, c'est nous. Mais on le fait. Mais Dieu a oublié de nous bénir. Parce que quelque part, on est utile. Toi, tu es utile à quoi? Et puis tu veux qu'il te protège. Non, le sorcier de mon village là, c'est moi qui me regarde. Il va bien te regarder. Tu seras mangé. La sorcière, voilà là. C'est pas là. On se tient debout, on va prier. Si vous voulez que Dieu vous protège, chacun va commencer à demander au Seigneur de l'aider à obéir à sa parole. Nous prions ensemble, Seigneur. Nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Tu vas demander au Seigneur d'agir dans ta vie. Et de se manifester puissamment. Nous prions de te manifester et d'agir. Fortement et puissamment. Powerfully. Nous réclamons toute la grâce. Nous réclamons toute la grâce. Nous prions que la puissance de ton esprit se manifeste. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur la manifestation de ta puissance. Nous comptons sur toi. Merci d'agir. Merci de te manifester. C'est toi de ton nom. For all the only glory of your name. For all the only glory of your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jesus.
thank you, Jesus. Veuillez vous asseoir. Have a seat. Que Dieu bénisse. Monsieur. La balle est dans ton camp. It's now. About now, you have to play. Tu connais ton cœur. You know your heart. Combien de fois Dieu t'a parlé? How many times you have talked to? Combien de fois il te parle? How many times you n'arrives pas à obéir? That you did not obey. La balle est dans ton camp. It's now your turn. La Bible dit qu'il y a quoi c'est un homme de gagner le monde et s'il perdait son âme. Gagner tout le monde et de perdre son âme. C'est cela que nous devons nous investir dans l'œuvre. Notre cœur doit être attaché à l'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous sommes dans la chambre, si on n'a pas pu faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui, la nuit, mais matin, au moins, donnons une place. Et de faire des études bibliques pour chercher à savoir ce que Dieu veut, pour nous le connaître et mieux le servir. Ça y va de notre bénédiction. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Si vous prenez le temps d'honorer sa parole et prenez aussi le temps de vous protéger, il dit j'en ai celui qui protège. Vous avez vu dans Deutéronome le contraire de cette bénédiction. Il dit lui-même, il envoyera la malédiction pour menacer des entreprises jusqu'à ce que tu périsses. C'est pour ça que tout se paye sur cette terre. That's why everything is paid on earth. Ne pense pas que c'est le mal que tu es en train de faire, tu ne vas pas payer. Do not think that what you do, tu payeras ça. The harm that you do, you don't pay for it, but you shall pay for it. Quand quelque chose t'arrive, il faut commencer à réfléchir. Pourquoi ça arrive? To you, try thinking, avant d'accuser. Why this happened to you? Pourquoi Dieu ne t'a pas protégé? Why did God protect you? Que Dieu nous aide. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen. La Bible dit que vous serez heureux, prouvez que vous le mettez en pratique. Ce que Dieu veut de nous maintenant, c'est la pratique. Nous avons écouté la parole, mais il faut la mettre maintenant en pratique. You have heard the word of God. Dieu a quelqu'un qui est béni. Say to another, you are blessed. Amen. Amen. Dieu a quelqu'un qui est béni. Say to another, you are blessed. On est d'accord ça? On acclame le Seigneur.